Salut les traders, c'est Jonathan et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais répondre à une question qui m'est souvent posée par les membres de ma communauté. Quels sont les meilleurs actifs pour passer et réussir, valider leur challenge propre firme? Alors, à travers cette courte vidéo, je vais répondre à cette question et en bonus, je vais vous montrer une excellente stratégie à appliquer avec notre indicateur Magic Freecom, l'indicateur pour la plateforme TradingView. Évidemment, si vous avez notre robot de trading 100% automatique, ben vous n'aurez pas besoin d'appliquer cette stratégie puisque le robot fait déjà le travail tout seul et ainsi il permet de valider vos challenges propre firme sans effort. Mais pour ceux qui souhaitent quand même trader manuellement avec notre indicateur pour TradingView, vous aurez également une excellente stratégie pour réussir n'importe quel challenge. Alors déjà, au niveau des actifs, il faut savoir que tous les actifs ne se valent pas. Certains ont plus de volatilité que d'autres et surtout, certains ont moins de spread que d'autres, puisque le spread, c'était quelque chose qu'il faut prendre en compte. Sur certains actifs, ce qu'on appelle les actifs exotiques, vous aurez un spread particulièrement élevé et du coup, ben, même si vos trades vont dans le bon sens, ben, vous serez quand même en perte parce qu'il faut prendre en compte le spread qui est la marge que prend le broker. Alors qu'avec des actifs comme Euro-USD, qui est la première paire que je souhaite vous présenter, c'est vraiment l'actif principal. D'ailleurs, pour ceux qui utilisent le robot de trading Magic Freecom 100% automatique, je vous recommande toujours très fortement d'appliquer le robot sur la paire Euro-USD. Ce n'est pas pour rien. C'est pratiquement la meilleure paire de trading. C'est la paire que tout le monde trade. C'est la paire où il y a également un maximum de volatilité. Donc vous aurez toujours de quoi manger, hein, de quoi trader. Et c'est la paire qui coûte le moins cher en termes de spread. Concrètement, le spread ici, vous ne le voyez quasiment pas. Comme je vous l'ai déjà indiqué maintes et maintes fois, Euro-USD est le roi des actifs. Mais ce n'est pas le seul actif. Donc si vous voulez utiliser d'autres actifs en complément ou en remplacement de Euro-USD, vous avez également USD-JPY, qui est également un superbe actif avec énormément de volatilité et avec un spread très très faible. OK? Donc USD-JPY, c'est la paire numéro 2. Et je vais vous présenter une troisième paire que vous connaissez sûrement déjà. Il s'agit de XAU-USD, qui n'est autre que l'or, le gold. D'accord? Donc cet actif n'est plus à présenter. Le spread est peut-être légèrement plus cher, mais on ne le sent pas passer. Et l'avantage avec le gold, c'est que vous pouvez surfer sur de longues tendances. D'accord? Comme on voit ici, on voit une belle tendance baissière. Vous avez vraiment de quoi faire de belles choses avec le gold, avec XAU-USD. Alors, contrairement à Euro-USD et USD-JPY, qui sont des paires de devises, donc du forex, XAU-USD, donc le gold, c'est une matière première. Ce n'est pas la peine d'aller sur du pétrole ou sur d'autres matières premières exotiques. Restez sur le gold, vous avez pratiquement pas de spread, beaucoup de volatilité et de belles tendances sur laquelle surfer. Ensuite, au niveau des indices, vous avez US30, qui est le roi des indices. Avec Euro-USD, c'est mon actif préféré. Sur certains brokers, l'effet de levier sur US30 est plus faible que sur le Forex. Du coup, il faut un capital un peu plus élevé pour commencer à trader sereinement sur US30. Mais si vous faites un challenge propre firme, vous avez déjà un gros capital. Du coup, vous pouvez déjà vous mettre sur US30. Et là, c'est pareil, vous avez des superbes tendances. Vous avez ici une grosse vague haussière. Qui fait suite à une grosse vague baissière, qui fait suite à une belle vague haussière, encore une fois. Avec tous ces actifs, quelle va être la stratégie de trading à adopter si vous tradez manuellement? Alors, effectivement, si vous utilisez le robot, vous n'avez pas besoin d'appliquer de stratégie puisque vous lancez le robot et il va tout gérer tout seul. Mais si vous voulez trader manuellement, avec la stratégie que je vais vous donner,
Vous pourrez valider vos challenges rapidement. Et si vous n'êtes pas en challenge propre firme, vous êtes sur un broker classique avec votre propre capital, et ben cette stratégie va également vous permettre de générer de beaux gains. Alors on va revenir sur Euro USD. Cette stratégie, elle fonctionne sur n'importe quel actif. On va rester sur Euro USD. Alors, si vous ne connaissez pas du coup l'indicateur Magic Freecom, qui est différent du robot Magic Freecom, le robot Magic Freecom fonctionne sur MetaTrader directement. L'indicateur Magic Freecom va s'appliquer sur TradingView, qui est une plateforme gratuite. Vous n'avez pas besoin de payer quoi que ce soit. Avec TradingView, vous pouvez du coup analyser vos graphiques gratuitement. Et avec notre indicateur, ben, vous aurez tout de suite une excellente stratégie. Alors du coup, la stratégie que je vous propose aujourd'hui pour vos challenges, elle est toute simple. Vous avez, comme vous le savez sûrement, les Magic Lines qui indiquent le sens dans lequel trader. Quand les Magic Lines, ce sont les pointillés ici, quand les pointillés sont rouges, il vaut mieux privilégier les trades à la baisse. Et quand les pointillés sont bleus, avec les rideaux achats, il vaut mieux privilégier les trades à la hausse. Et ensuite, vous avez les Magic Bars. Alors, ces Magic Bars vont être très importantes. Elles apparaissent automatiquement quand le prix effectue un rebond sur une zone de support aux résistances stratégiques. Donc, elles n'apparaissent jamais pour rien. Vous avez les Magic Bars vertes quand il faut trader à la baisse et les Magic Bars orange quand il faut trader à la hausse. Vous aurez donc compris que pour trader, il faut des magic bars vertes avec une tendance baissière ou des magic bars orange avec une tendance haussière. Et on va rajouter une dernière étape, ça va être de transformer vos bougies qui sont normalement en bougies japonaises, vous allez les mettre en ekinashi. Vous aurez une vision beaucoup plus claire sur les changements de tendance et ça va être très important puisque quand vous êtes dans une situation baissière, on a la Magic Line rouge, les pointillés sont rouges, vous avez une Magic Bar vert qui apparaît. Dès qu'elle apparaît, vous allez recevoir une alerte, ok? Parce que le robot est programmé pour vous envoyer des alertes. Si vous avez l'application TradingView sur votre portable, vous recevrez l'alerte directement sur votre portable. Je vous recommande donc, si vous voulez appliquer cette stratégie, d'avoir l'application sur votre portable pour recevoir les alertes quand les Magic Bars apparaissent. Donc, quand les Magic Bars apparaissent, cela signifie que le prix effectue un rebond. Il faut idéalement qu'il y ait un espace entre le prix et la Magic Bar. Plus l'écart entre le prix et la barre sera élevé, et plus vous aurez des trades qui vont vous rapporter des gains. Parce que quand vous avez un très faible espace ici, évidemment, vous avez un trade gagnant, mais vous n'aurez pas forcément énormément de gains. Mais quand vous avez un bel espace ici, ben vous allez générer plus de gains. Du coup, au niveau de la stratégie, dès la première bougie rouge, il faut une vraie bougie rouge, d'accord? Vous ne pouvez pas rentrer sur un doji. Le doji, c'est une bougie avec un corps maigre et une mèche en haut et en bas. C'est une bougie d'incertitude, d'autant plus quand on est en ekinashi. Donc, il faut rentrer sur une bougie propre, c'est-à-dire quand on est à la baisse, il faut une bougie rouge avec un corps intéressant et aucune mèche vers le haut, ou alors une très faible mèche, mais il vaut mieux rentrer sur une bougie comme celle-ci. Regardez bien, vous avez une bougie rouge avec une mèche vers le bas, mais pas de mèche vers le haut. Ça, c'est une bougie intéressante pour rentrer dans le trade. OK? Et une fois que vous avez cette bougie qui est apparue, vous pouvez placer votre take profit au niveau de la barre. Donc, au niveau du stop loss, ben, vous allez le placer au plus haut. D'accord? À chaque fois que vous voulez rentrer en position, vous allez regarder quel est le point le plus haut et vous allez passer votre stop loss quelques pips plus haut, okay, pour être tranquille. Et inversement, durant une séquence haussière, vous aurez du coup une magic bar orange qui va apparaître. Ça signifie que le prix il a effectué un rebond. Vous allez recevoir une alerte sur votre portable. Vous allez sur votre graphique et là vous voyez du coup des bougies ekinashi rouges qui se forment. Et dès que vous avez une bougie ekinashi verte avec un corps intéressant
une mèche vers le haut, mais pas de mèche vers le bas, donc une vraie bougie Ekinashi. Vous allez rentrer sur le trade avec votre stop loss au niveau du point le plus bas, quelques pips en dessous pour être vraiment tranquille, et le take profit au niveau de la barre. Et ça, c'est important parce que même sur une séquence haussière qui est faible, comme ici, où il n'y a pas beaucoup d'impulsion, vous avez quand même des trades gagnants, puisque le prix y revient quasi systématiquement au niveau de la barre. Ça, c'est presque une certitude. Et quand il ne revient pas au niveau de la barre, ça vous fera donc du coup un trade perdant. Il faut toujours des trades perdants. Mais ça signifie surtout que le prix, il va changer de sens. Du coup, vous savez que si le prix, il ne revient pas sur la magic barre, c'est qu'il va changer de tendance. Il va y avoir un changement de tendance, assurément. Le prix revient toujours sur la barre. S'il ne revient pas sur la barre, c'est qu'il y a un changement de tendance. C'est le seul moment où vous pouvez, où vous allez rater votre trade. Comme vous voyez ici, vous avez pas mal de trades gagnants. À chaque fois que la barre apparaît, le prix il revient comme un aimant, comme s'il était aimanté. Il est attiré vers cette barre. Vous voyez que là, on a une séquence de range. En général, ce sont des séquences à éviter. Avec cette stratégie appliquée avec l'indicateur Magic Freecom, vous avez quand même des trades gagnants parce que vous voyez que dès que la barre elle apparaît, le prix il revient vers lui, il est attiré vers lui. Ici par exemple, vous voyez qu'on a une magic barre qui est en train d'apparaître et on a des bougies Ekinashi rouges. Et on regarde ici, on voit que on est passé, on vient de passer sur une séquence haussière. Donc ça signifie qu'on va attendre qu'une bougie Ekinashi verte apparaisse, une vraie bougie, non pas un doji. On voit qu'il y a une mèche en haut et en bas. On va attendre une vraie bougie avec juste une mèche vers le haut. Et dès que cette bougie va apparaître, on va rentrer en position avec le take profit à ce niveau. On voit qu'il y a un bel espace, donc c'est très bien. Un take profit à ce niveau et un stop loss qui sera placé au niveau du plus bas. Voilà, donc cette stratégie, elle fonctionne sur n'importe quelle unité de temps. Mais si vous êtes en challenge profit, vous voulez aller vite si vous faites du day trading, ben vous allez vous mettre en 5 minutes et en 5 minutes, vous aurez de quoi faire. Vous pouvez appliquer cette stratégie sur EURUSD, vous pouvez l'appliquer sur les autres actifs que je vous ai mentionnés plus tôt, USD, JPY, US30, le gold, etc. C'est le même schéma à chaque fois. En situation de hausse, dès qu'une magic barre orange apparaît, le prix il revient systématiquement vers lui. Et quand il ne revient pas vers lui, c'est qu'on a eu un retournement de tendance, tout simplement. Pareil à la baisse, vous avez du coup les magic barres vertes qui apparaissent. Et dès que le prix il ne revient plus vers cette magic barre verte, c'est que la tendance elle est en train de se retourner. Vous savez d'ores et déjà que vous aurez une autre position à la hausse cette fois-ci pour vous rattraper sur votre trade perdant. Mais en termes de taux de réussite, vous aurez un taux de réussite entre 70 et 80%. Donc c'est vraiment énorme, surtout quand on passe un challenge prop firm. Vu que vous aurez peu de trades perdants, ben vous aurez un drawdown assez faible. Voilà, donc cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Je vous invite encore une fois à rejoindre notre canal Telegram sur lequel je partage toute l'actualité concernant l'indicateur et le robot Magic Precom. Je partage également les retours des clients qui ont validé leur challenge grâce au robot Magic Freecom. Vous aurez également les mises à jour concernant le robot si vous êtes client et vous aurez également toute l'actualité concernant l'indicateur TradingView pour ceux qui souhaitent trader manuellement. Voilà, si vous n'êtes pas encore client du Magic Freecom et que vous souhaitez acquérir le robot ou l'indicateur, vous avez le lien en description de cette vidéo, mais aussi sur le canal Telegram. Vous aurez le lien pour acheter l'indicateur ou le robot. Et vous avez également mon contact ici pour, si vous souhaitez me parler directement sur Telegram. Je suis joignable H24. Sur ces bonnes paroles, je vous souhaite de faire un maximum de gains, de réussir vos challenges. Et je vous donne rendez-vous pour le prochain cours. À bientôt!